sans coup férir. Il lui a manqué que très peu de centièmes pour venir occuper la troisième place à Helsinki. On va saluer Alban Préaubert qui doit nous regarder. Tiens, ce soir, il n'est pas à Los Angeles, lui. Allez, on commence ce groupe avec Nobunari Oda, le japonais. Quatrième des Four Continents cette saison, dont c'est l'anniversaire. Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, effectivement. Il a 22 ans, Nobunari Oda. Champion national cette saison. Une saison blanche, hein, la saison passée en raison de... Blessure. Non, du tout. Il avait été pris pour alcoolémie au Japon. Et là, on rigole pas. La Fédé l'avait suspendu plusieurs mois, donc aucune compétition. Oui. En tout cas, il a réalisé de très bonnes choses cette saison avec une victoire dans la NHK Trophy. Une victoire à Vienne dans le Karl Schaffer Memorial et une victoire au Neberland Trophy. Il patine la valse mascarade d'Ariam Khatchatourian. Quel dommage. Bah oui, qu'est-ce qu'il est allé taper la barrière. Alors ça me fait penser, vous savez, à ce qui était arrivé à cette patineuse japonaise dont le nom m'échappe, Midori Ito, qui fut la première et d'ailleurs pratiquement la seule à réaliser le triple axel de façon absolument extraordinaire en compétition et qui avait aussi littéralement franchi les limites de la patinoire puisqu'elle était passée par l'ouverture permettant à une caméra de prendre dans tout son champ la patinoire et elle s'était retrouvée à l'issue de la combinaison de saut sur le caoutchouc. Donc ce qui ne l'avait d'ailleurs pas empêché cette année-là d'emporter le titre mondial si j'ai bonne mémoire. Bref, une sorte de manque de vigilance de la part de Oda qui fête d'une façon dignement assez amusante, ses 22 ans, ouais. Assez amusante d'ailleurs ses 22 ans en s'offrant comme bougie une petite balustrade. Pourquoi pas, après tout, regarder ce triple axel. Triple axel parfait. Oui, avec cette flexion très très assise lors du retournement, enfin plus exactement avant le retournement, comme s'il voulait se propulser sur le dehors d'appel. Et puis là, il n'a pas
pris ses distances. Et voilà, il glisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant et si bien qu'il arrive, après une rotation parfaite, hop, dans la balustrade. Et puis, il s'en sort plutôt bien. Vous voyez, il s'en est fallu très peu qu'il ne réitéra la performance, si je puis dire, de Midori Itō en sortant de la patinoire, puisqu'il était très exactement au même endroit. Oui, j'ai toujours bien aimé ce patineur depuis, depuis Calgary, où il avait fini quatrième. Le pas barrière, beau, hein. Il est splendide. Ouais. Il est splendide. Il met de la fougue, il a quelque chose, quoi. Voilà. Bon, c'est pas seulement un pas fait avec des éléments techniques, c'est un pas en musique. Donc ça ne fait que relever encore le niveau de son patinage. Et je pense qu'il devrait probablement la prendre la deuxième place sans derrière, derrière Contesti, oui, toujours derrière. Chute, malgré la chute, puisque de toute façon les deux triples sont parfaitement tournés l'un et l'autre. Et ça va peut-être même faire le plaisir d'un certain nombre de photographes à Los Angeles. Il va se retrouver demain matin avec sa photo dans tous les journaux californiens. Même avec le point de déduction en moins, il aurait quand même été second Nabunari Oda derrière Samuel Contesti, qui se maintient à sa première place.